Beau matin à toutes et tous. On se retrouve pour le message de ce jeudi 19 octobre 2023. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Avant de commencer, vous allez répéter trois fois les trois phrases suivantes. Merci, mes anges, de me révéler ce que j'ai besoin de savoir. Merci, mon cercle de lumière, de me guider dans mon chemin de vie. Merci, mes anges, de me rappeler votre présence. Eh bien, aujourd'hui, j'ai pigé « Tu es ce que tu es, pas ce que tu as ». L'habit ne fait pas le moine. Fermez la parenthèse. C'est une carte avec le rouge. Et rouge, c'est le premier chakra. C'est le chakra racine qui se trouve en dessous de votre périnée, sous votre périnée. C'est le positionnement dans votre vie, ce premier chakra. Et ce chakra établit la connexion avec la terre. Et il permet un enracinement en toute confiance, avec une reconnaissance des besoins fondamentaux, comme par exemple la sécurité, la chaleur, la nourriture, le foyer ou le travail. En tous les cas, il est essentiel à la circulation globale de l'énergie, car sur lui reposent eh bien les autres chakras. Lorsque ce chakra est parfaitement aligné, eh bien, nous ressentons un lien profond à la terre, une force et une stabilité en nous. Nous savons que nous avons notre place ici-bas et nous investissons une grande confiance en la vie, persuadés de pouvoir recueillir d'elle tout ce dont nous avons besoin. Nous vivons notre vie terrestre en pleine conscience et confiance. Nous sommes, eh bien, sur notre voie, stable, centrée et équilibrée, psychiquement et physiquement. Et lorsque ce chakra est obstrué, n'est pas dans l'alignement, lorsque ce chakra se désaligne, eh bien, pour certains d'entre vous, vous avez un sentiment d'insécurité. Vous plongez dans les peurs. Vous vous plongez dans les angoisses multiples. Vous êtes essentiellement préoccupé par vos besoins fondamentaux. Vous manquez de stabilité. Et vos bases, eh bien, ne sont pas solides. Vous avez l'impression de perdre pied et vous êtes persuadé que la vie s'acharne contre vous en vous apportant, eh bien, son lot de difficultés. Sachez que les difficultés que nous rencontrons, c'est pour nous faire grandir, n'est-ce pas? Et c'est ainsi que, pour certains d'entre vous, vous cherchez soit à compenser par la nourriture ou l'agressivité, soit vous vous déconnectez du monde, de votre corps et de vos besoins, ainsi que de toute matérialité. Alors il y a une solution, n'est-ce pas? Mais oui. La solution est de vous placer au centre de votre vie, votre majuscule, la vôtre, et ne plus vous contenter d'être en sa périphérie, c'est-à-dire tourner alentour, être alentour de votre vie. Votre vie vous appartient, alors tu es ce que tu es, pas ce que tu as. C'est pas anodin cette carte, hein.
La société, eh bien, elle t'apprend. Elle t'apprend que l'apparence extérieure, les possessions, les titres, les fonctions ou les diplômes, eh bien, te définissent. Et c'est ainsi que tu t'assimiles donc facilement au rôle que tu joues, entre parenthèses, dans la vie, et tu te sens mal si tu ne te sens pas à la hauteur. Or, tu es bien plus que ça, n'est-ce pas? Mais oui, tu es avant tout, ne l'oublie jamais, un être unique qui ne demande qu'à rayonner toute sa lumière personnelle pour s'épanouir et la répandre. Cesse d'attendre des étiquettes qu'elles t'aident à trouver ta place sur terre. Certes, elles comblent évidemment momentanément un manque que tu ressens en te donnant l'illusion de la distinction, mais quand tu réfléchis bien, elles ne te nourrissent pas intérieurement à la longue. Tandis que si tu es en paix avec toi-même, tu te concentres d'être toi. Quels que soient les titres, tes possessions ou ta fonction, tu es toi, tu rayonnes intérieurement. En étant plutôt qu'en ayant, n'est-ce pas? Tu es toi. Car être toi, eh bien, est la plus belle contribution que tu puisses apporter à ce monde. Très beau message, n'est-ce pas? Tu es ce que tu es, pas ce que tu as. Alors, on termine avec ne plus avoir peur. J'ignore volontairement ce qui ne dépend pas de moi. Sur les éléments que nous sont extérieurs, sur les éléments qui nous sont extérieurs, nous n'avons aucune prise, nous ne pouvons pas les influencer. Inutile donc d'y penser et de ressasser notre impuissance à leur égard. Voilà, j'ignore volontairement ce qui ne dépend pas de moi. Très beau message pour ne plus avoir peur. Je vous souhaite une excellente journée, puis on se retrouve demain pour le dernier message de cette semaine. D'ici là, prenez soin de vous, de ceux qui vous entourent, de ceux que vous aimez, mais surtout prenez soin de vous en douceur, avec bienveillance, avec beaucoup d'indulgence, n'est-ce pas? Ne soyez pas trop sévère quand vous pensez à vous. Et moi, je vous embrasse et je vous dis à demain.